Bon début de semaine à tout le monde. Merci pour la fidélité. Merci pour la considération. On est ensemble, chers internautes. Bonjour. Les 14 de ce mois de septembre. 14 septembre, tout ça, la marche pacifique, marche de soutien pour la Excellence ministre de la Justice, Constant Moutamba. Partout ici, quand aux Alliés. Ils allaient marche nationale, ils allaient marche mondiale. Marche mondiale. Toko soutenir ma valeur. Toko soutenir la méritocratie. Toko soutenir ma combattant. Toko soutenir ma oyo balingi. Ba redorer image de la République démocratique du Congo. Entre autres, les jokers du gouvernement souminois, Constant Moutamba, ils ont les lourdes charges, Mokonzambo a pessié, a confié une mission, il a corrédoré l'image. Sans la justice, Mboka a eu un. Et puis, Constant Moutamba, Bibi Sinde Bando qui n'en poissa, ba sorcier. Naebi Sakibino, soki bomoni ministre, batumbola kayete, bakombata kayete, azali libre, lokola de l'air, lokola mon pepe, boye bake chinzengu, eloko eite. Mais bota la Constant Moutamba menacé. Donc, nandenga osakanate critiqué. Nandenga osakanate wanande basoro diongo, bakadian pemba. Babou logi. Balo combattre ye inutilement parce que balingite aya un éclairage et si comme moli les ali. Le 14 oyo Natongo banamboka bisonyo soto kutana na place Willery. Le 14 Natongo tozawana 8h 7h koma déjà. Na Willery, place Willery. Au moment de la bande, il y a t-shirt. Il y a Constant Moutamba. Marche au Bandawana. Moi footing. Moi koyemba. Ti point de chute. Na ministère. Il y a justice. Koubeta ma boko. Koupé sa yéba ba éloge. Koukoumi sa yé. Kou réconforté yé. Na musala zana yango kola kisala ba ministre nyoso batikani na esprit ya bien Constant Moutamba azo beta biloko tala soutien eza naturel automatique toujours mona ba effort azo sala bongo bino bozo sala nini na gouvernement oyo bozo sala nini soki Constant Moutamba taki mutu aide pesi ndebo bandelinga yawa jalelo jalelo omoni jalelo obandaki na eteni longondo o manwanina o kogiste kabuya lelo komi Moutamba ah bolo balanga za jalelo pona Moutamba Constant excellence eza eloko nzoto eloko ya mboka tozo mona lumière tozo mona mutaka déterminé. Tala bandoki nyonso contre ye ba poison et comment les comme ba assassinat donc ne na sawana na sengi chef de l'état a protéger Constant Moutamba na zo senga yango mi kolonyonso ba chef coutumier bobate la Constant Moutamba nzambe lobe sala ki prière ao azan ministre moko hors du commun moko nza pe si charge pe azan kobunda pour redorer l'image, pour améliorer son remède, pour éradiquer la maladie, pour éradiquer la justice, pour éradiquer la vérité, notre justice est malade. Remède, Constant Moutamba. Les 14, biso nyonso na tongo tongo bopanza sango na Willery tola ki saba ministre batikali eh bino kutu eh don na yebite tola ki saba batikali bola na Constant Moutamba suivez les guides
Mutamba, son excellence, ministre de la justice. Population, bana ya bandal, ba initiateur, bana ya bandal, les amis de bandal, entre autres mots, fini, finabiso. Tokozala wana, ngape na kozala, na wileri le 14, kamera na maboko. Bo kebite na osala live, yope partout ozali, sala marche na yokaka. Attends, la marche de santé. Au sein de l'émission vidéo, au tindi le numéro 0999 3 fois. 0999 38 74 49. Tindi la biso vidéo na yo. Toko siango pe na émission. Tola ki sa. Et si karop yo zali, au sali marche pour la constant moutama. Marche de soutien. Marche pacifique. Attends, dans le Japon. Attends dans l'Irlande. Et pas à Jacob Moudingaï. Na Irlande. Vitesse. Attends aux ans aux États-Unis. Attends aux ans au Canada. Attends aux ans au Suède. Et pas à Dengi Mayar. Attends aux ans en Belgique. Na Villevord. Et pas à Régine Kapinga. Mama Munganga. Attends aux ans à Paris. Et pas à Christine Pinda. Mama Munganga également. Attends aux ans en Suisse. Et pas à Kabuya. Et pas à Zoro Mabiala. Ata Ozana Italie. Pas à Bandeau Nabiso à Italie. Ata Ozana Luanda na Angola. Ata Ozana Benin. Ata Ozana Côte d'Ivoire. Ata Ozana Brazzaville. Sala marche. Ata yo moko sa yon abiso vidéo. Otin de langayi. Mais elle est qu'à 2 minutes te pour koyate na WhatsApp. Faut dans la vidéo, il y a 2 minutes juste hein, ou 2 minutes 30. Souka, au Tinder Lingai, na concerne sa vidéo, il y a les 14. Pour toi, qui s'accosta moutamba, tolingye, peut-être soutenir. Ce qui est au Tinder Lingai, la vidéo, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde qui a un numéro. Il y a un peu de monde qui a un peu de monde. Bon, ça y est, la vidéo, les 14, bon, tindé la ngaï, n'a pas tindé la yé, n'a pas tchamo pe na émission. N'a tindé lié en privé, n'a tchamo pe na émission, à mon n'engé ni ni bodo soutenir yé. Bon, ta la yé, n'a mouan ba sortie médiatique na yé, yami kolo yo, n'a sangisi 3 vidéos consécutives. Pour la koye bisa yé, nous sommes derrière lui, akende vraiment de l'avant. Population doit soutenir, chef de l'État lui-même également doit soutenir. Totala, tozonga, to continue émission Yassika, Yassemen Yassika, Tobani. Regardez! Nanyazo comprendre message Ezali Awa. Ba message Ezali Ebele, entre autres, la simplicité. Père de famille. Pondu, Nanyaliaka Pondu tena mboka oyo. Pondu et Kotaka partout. Tina présidence. Pondu et Kotaka. Mais Pondu, avant, il y a un faux tout. Donc, alors, tout a mis yibi, il y a justice pour tout le monde qui est top. Ah, il faut changer les classes politiques et le plus vite possible. Il faut la changer. Degré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement. De instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que Oyo anama sanae na union sacrée. Et on remarque même que ndambu ba ki na union sacrée. Tala bien. Donc ba ba sa na Mobutu, ba ye ba salina Laurent Désiré, ba na Kabila et ba yo kani entre on écouter. Binobo ki na union sacrée. Donc, on a un cabinet qui est vérifié. Donc, du coup, ce qui est bon, c'est que vous avez un dossier contre Oyo. Un groupe qui est bon, soit appareil judiciaire, soit proche, influent à Mokonzi. Non, vous touchez. Sinon, cohésion sociale, papa. Cohésion sociale face à la misère du peuple.
les mêmes causes produisant les mêmes effets, bah, oh, bah, côté, bah, oh, mais bah, oh, on a, bah, mis enrichir, hein, bah, comme, bah, patron, bah, et ben, bon, et belé, et bisopé, tout ça, nini, bisopé, toi, bah, pour que, quel que soit le président, avoué, tout, côté, l'issue, la majorité, n'a, ça doit cesser. Est-ce que... Rapidement, Natala qui émission, y a, Kouloutou Nangaï, Ene Nangaï, scientifique, Jacquinda, là, Nathalie Missionnaye avec beaucoup d'émotion, comme d'habitude. Alors, Beli Makambouya, évasion dans la prison Yamakala, ou tentative d'évasion dans la prison Makala. Kulutunanga, Yandala, Yajaki, ba évasion et salama dans la prison Nyonso. Partout et salama. Et salama, partout. Récemment, on va imaginer, dans le point noir, les prisonniers peuvent être qui. Ils ont payé, hein, voisins. Ils ont organisé, ils ont été qui. Ils ont été qui. Donc, ils ont été partout. Ils ont été qui, ils ont été qui, ils ont été. Même à l'époque de Kabila, ils ont été qui, la prison, ils ont été gardés dans les militaires, mais ils ont été qui, ils ont été qui, ils ont été qui, Kabila au pouvoir militaire. Donc, il y a Jackie, ayez vos apaisements. Il y a Jackie, et Salaranango, c'est vrai, Constant Moutambazawana, Azo Luka Bongisa, Azo Bunda, donc tout ça pour soutenir. Il y a moi na Kitambo, il y a moi na Bandal. Donc, il y a le Kairo Simba, il y a Bongisa prison, et Zalabien. Batou Moussous, il va critiquer, Balobi, Premier ministre, Alobi ba bongi sa colère ba prisonnier ba liaka 3 fois par jour. Ba tu ba fâché, ba benga ba lobi comment premier ministre azola ba biloko ndenge wana ke ba prisonnier ba liaka 3 fois par jour tandis que ba to baza libre o ba koya ba infraction te bazoliate. Ba na piaka. Bon, ya za politique, aza premier ministre. Il y a mon quoi, il y a une sortie médiatique, message wana à s'adresser à moi, et qu'il y a un contexte nini. Nga na kokota kunate, à sali premier ministre, à sali politique. Et ça, bah, message politique, bah, discours politique, communication politique. Nga kuna na kokota. Chers amis, chers internautes, mon konzamboka aza déjà na Kinshasa. Conseil des ministres, 12e je crois, et Salamaki, vendredi dernier, sous le commandement, il y a Premier ministre. Mokonzambo Kaye, Lelo Lendi, Azapo Salisa, Conseil des ministres extraordinaire, exceptionnel, Lelo, selon certaines sources, sauf changement de programme. Lelo, ba ministre, madame, vous êtes en psychologie, vous êtes en tunga, yemoko en chair et en os. Parmi mon ordre du jour, hein, makambuya makara. Parce qu'il y a eu des morts. Tout le monde qui mit tout le monde, les gars qui vont donc nous faire l'enterrement. Naleli. Bazabatu. Basali ba erreur. Ba koina ba mbeba. Boyoka ki ba innocent pe bazaka na makala ba innocent bazala kapé. Nicolas dit dollar mutake pe prison koufi pe. Mama moko auti ko kufa. Mama wana a na ba difficulté a kota ki nyongo na ba banque na biso ya Kinshasa azwa ki crédit. Kozongisa e koma ki passe azongisa ki ndabu ndambu etikala ki. Bazui mama wana na prison wo. C'est récent l'histoire de mettre la binoire. Mama wana, je crois, na yebite, sur la qui parmi les femmes violées, na makamuleki na makala, ou alors, ba émotion, n'ayant makamule salamaki, mama wana a koke reko supporte, événement wana te, au moment où je vous parle, mama wana dans la morgue, a koufaki. Yango wana
na yoki mawa. Eza pasi. Eza pasi. Yango, ministre de la justice, alingi ko bongisa quand même ba condition. Na vision ya premier ministre, ya ba prisonnier. Oza prisonnier, oza wana o subir peine na yo, mais ata ke prison de ifoy bon mayo. A part les condamnés à mort. Chers internautes, donc lelo, ba ministre nous pas sangana mo konza mboka pour na conseil des ministres moko. Donc extraordinaire. Et ça la chaque vendredi, lelo ministre na biro ko kotate viongolo viongolo na cité ya Union africaine, fara fara na mfumo de tunga auti wapi na Chine. Bota la sikoyo une interview oyo mo konza mboka alekaki na ba chaîne de marque na Chine boyo kaye pour l'intérêt général. Regardez. And welcome to Leaders Talk. It is our honor. Merci. Merci. Vous êtes en Chine depuis un certain nombre de jours, voyageant à travers le pays dans de nombreuses villes différentes. Quelles impressions avez-vous tirées de ce voyage jusqu'à présent? Et avez-vous aimé la Chine jusqu'ici? Je profite de cette occasion pour remercier le président Xi Jinping pour cette invitation à effectuer une visite d'État dans son pays que je n'avais jamais découvert jusqu'ici. Tout le monde entend parler de la Chine. Moi, depuis tout petit, je sais que nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'années de partenariat, d'amitié. Donc c'est une très très belle impression que j'ai. L'accueil était chaleureux. Le pays est magnifique. Toutes les villes que j'ai visitées sont très très belles, modernes. Je dis bravo à la Chine d'avoir réussi sa modernisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, la Chine et la République démocratique du Congo étaient plus ou moins au même niveau économique. Et le bond que la Chine a fait est impressionnant. Et ce modèle est vraiment un modèle que je voudrais imiter, que je voudrais dupliquer dans mon pays. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce Monsieur que le Président, dit. Lors de votre voyage à Pékin, nous avons remarqué que vous avez déposé des gerbes en l'honneur des martyrs de la Révolution chinoise. Vous avez également visité le musée du Parti communiste chinois. Pourquoi êtes-vous allé dans ces endroits? Comment avez-vous trouvé ces lieux et quel est votre bilan de ces visites? Tout simplement parce qu'il y a comme une similarité entre l'histoire des deux pays. La Chine a connu la pauvreté, nous aussi. La Chine a connu la famine, nous aussi. Mais en même temps, la Chine a des atouts sur lesquels elle a su surfer pour sortir de tout cela. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui inspire. De venir voir ici comment la Chine a fait me tenait à cœur. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé d'être ici et de vivre la réalité, la palper des doigts. Concernant la voie de développement de la Chine et la voie chinoise vers la modernisation, c'est un sujet très débattu dans le monde entier ces derniers jours. Beaucoup de pays soutiennent la voie de la Chine. Et d'autre part, certains pays dépeignent la Chine comme une puissance expansionniste. Comment voyez-vous le rôle de la Chine et que représente la Chine pour vous en ce qui concerne son image, son influence globale? Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'un milliard d'individus. Ce n'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'un milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État, et parce qu'en plus, j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce que entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables. Au lieu de condamner la Chine, de l'indexer,
Donc, je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passe. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle. Parlons des relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Cette relation bilatérale a récemment été élevée au rang de partenariat stratégique global et collaboratif lors de votre voyage. Que signifie pour vous cette nouvelle élévation du partenariat et comment pensez-vous qu'elle se concrétisera sur le terrain pour les gens de votre pays et pour les Chinois ? Des 50 ans d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays. Nous avons fait un bilan intermédiaire de ces 50 ans d'amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui, les problèmes qui touchent au monde. C'est en analysant tout ça que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global. Je vous donne un exemple, nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C'est un problème qui touche à tous les pays. Aujourd'hui, on le voit par les catastrophes naturelles, il n'y a aucun pays au monde qui en est épargné. Le Congo se définit comme un pays solution, car grâce à son massif forestier, il capte le carbone qui est dans l'atmosphère. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mises ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever parce qu'il peut produire de très très bonnes choses pour le monde entier. Revenons aux relations bilatérales. J'ai remarqué qu'il y a au moins 13 domaines de consensus dans la déclaration conjointe que vous avez émise avec le président. Vous avez également parlé de mines et d'infrastructures où la déclaration conjointe stipule que les deux pays consolideront leur coopération dans le domaine minier et résoudront les problèmes actuels de manière juste, pratique et basée sur la confiance. De nombreux médias se concentrent sur votre voyage et sur l'accord d'infrastructures signé par les deux pays. Il y a de nombreuses années, par le gouvernement précédent bien sûr. Quelle est l'avancée la plus récente concernant cette initiative de coopération ? Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons, que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Là, ma vision, elle était celle de dire, nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner
dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures, et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les 10 années qui viennent, et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat, ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé. Il y a aussi cet important accord signé par mon entreprise, China Media Group, et leurs homologues, un réseau national de télévision de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous avez assisté à la signature de cette cérémonie. Que pensez-vous de l'importance de cet accord? Et comment pensez-vous que des coopérations médiatiques comme celle-ci peuvent réellement renforcer la coopération médiatique Sud-Sud et peut-être briser le monopole des médias occidentaux dans le paysage médiatique mondial? Ce partenariat, cette coopération, c'est très important pour nous, nous Congolais d'abord, parce que nous avons, disons-le clairement, un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un retard à combler. La modernisation n'est pas encore passée par la République démocratique du Congo dans le domaine médiatique. Et là, je parle à la fois d'équipement, de technologie, mais également de formation. Nous en avons besoin. Et ce partenariat avec le média chinois, le média principal, le média étatique, va nous aider hausser le niveau de nos médias en République démocratique du Congo. Nakoloba na ba konzi ya mboka ba autorité o batala kama kamitali sécurité bo fongola misu na frontière ya mokambo na lobi mbala misatu frontière ya mokambo na ba mopanzi sango tozala ba source ebele. Oyo boza la kalango pété. Oyo muta kolinga lobaté poso ka lobi boko la melaye. Mais l'équipe par na canal na biso na lobi frontière ya mokambo na okatanga na Zambie. Bo fongola misue frontière ya mokambo mitu keza koleka kuna fumé. Bato bazana kati tozo yebaté banani. Suspect. Alerte na frontière ya Mokambo na Okatanga na Zambie. Mouvement eza bien te kuna. Frontière ya Mokambo na lobi. Na beleli. Omoni ndoki belela. Lobi ta yobeta obo loba kite na si na lobi. Bino nyonso na tombeli bino e bandela. Ya semaine ya sika ezala malamu bozala nzoto kolongono nzambe na biso oyo to samilaka biso ba chrétien apambola bino abatela pe bino abatela pe mokonza mboka na libota na ye mobimba na lobi pe na suki siao. Merci soki information mosusu eye to partager soki yete lobi ngai na bino fara tokokutana nga moko le conseiller indépendant autoproclamé nanko du chef de l'état papi kamwasi sans ordonnance salaire bosana pour nazala nga indépendant moi na réclamer salaire exact mais ordonnance na ko réclamer te mina ko pe ko senga mokonzi pe akanisa nga atana wenza bayaka administrateur na bosala na sali Sciences Po, na sali SPA. Merci. Hermoko ngai na bino. Bye bye.